Bonjour à tous, moi salut nous. Buenos dias ou buenas tardes. Nous na guia 1, deuxième trimestre, estudios sociales. Mon qui dicte classe A, surtout na segundo J, segundo K, segundo I, eh bien, c'est Victor Glock. Na segundo G, tout, nous gagnons. Haïtien, eh bien, nous gagnons Victor Glock. Et pour moi qui est dans secondo E, secondo F, c'est Victor Quadra. C'est sciences sociales, c'est GIA 1, deuxième trimestre. Et titre GIA ça qui c'est la société des masses, première partie. Il est très important pour nous capables réviser et rappeler nous des guias qui étaient passés avant nous parce qu'ils ont servi nous comme base pour nous capables avancer avec guias. Non, non, classe et puis date. OK, ça c'est pour second niveau. Pour nous capables répondre guias, nous devons connaître objectif. Objectif, c'est pour nous capables connaître la conformation historique des scènes actuelles de la politique internationale à partir des grands processus politiques qui marquent la moitié du XXe siècle. OK, là c'est email professeur yo, Victor Glog et puis Victor Quadra. Et yo bano des textes, ça va dire n'appli texte. Texte qui parle des sociétés des masses, n'a pas lu texte, c'est à partir des textes que nous pouvons répondre aux questions qui en bas. À partir des textes, nous pouvons connaître qui ça, qui société des masses là. Si on résume, ce n'est pas tout texte là, mais si on résume, professeur lui-même, Libanon, exactement, ça n'a besoin pour nous capables de répondre aux questions. Et nous parlons de la société des masses et ses origines. Et en pile, l'autre texte, n'a pas lu tout, n'a pas lu tout texte avec un pile méthode de compréhension, la révolution de la communication, la télévision, l'ordinateur, les nouveaux acteurs sociaux, et les femmes et les jeunes. Il est très important d'appeler tout ça au petit à petit, petit c. Et le changement culturel provoqué par les femmes. Il est très important d'appeler texte à yo. C'est à partir des textes à yo, nous pourrons arriver à répondre à des questions. Hein? D'appeler tout texte yo, parce que si nous parlons texte yo, nous ne pouvons pas répondre à des questions. Ça va aider après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été gagnée. N'appeler tout. OK, là, nous arrivons à l'exercice que le professeur lui-même demandé pour nous capables de faire. L'alimenté pour nous capables de mettre en C, si toutefois la réponse dans l'I est correcte, et puis il y a I si la réponse dans l'I est incorrecte. Par exemple, il dit que sur légitimité de la guerre de Vietnam, seulement c'est discuté aux États-Unis. Est-ce que c'est seulement États-Unis qui étaient discutés sur l'égitimité de la guerre de Vietnam, s'il correct quoi mettez I, eh bien, s'il incorrect quoi mettez. Quoi mettez I. S'il correct quoi mettez C, s'il incorrect quoi mettez I. Je dis que les femmes et les jeunes, ils appartiennent invisiblement à l'âge tous les 20e siècle. OK? Durant décennie 1960, la jeunesse s'est manifestée comme une importance acteur historique. OK? Ça, c'est sûr que ce n'est pas États-Unis seulement. Ce n'est pas États-Unis seulement. OK? Eh bien, on a répondu à la question ça, si ça c'est incorrect à mettre I, si ça c'est incorrect à mettre I, mais si ça c'est
Correct, mettez C. OK. Activité d'application. Là, c'est même genre, on met C tout côté qui est correct, yo, et puis I tout côté qui est incorrect. C'est seulement la phrase. Mais toute réponse, yo, trouvez yo, dans le texte qui est en l'air. Par exemple, il dit que pour en population mondiale, les grandit en pile dans 20e siècle là, est-ce que c'est vrai? Il dit que premier computer yo te utilisé civil qui que nous utilisé de manière civile yo gen origine en Europe. Est-ce que c'est vrai? Ça veut dire toute réponse ça yo n'a joine yo dans texte ça yo en l'air, pas rien qui caché tout app dans texte ça. Pour nous pas une question c'est si et seulement si nous pas lit texte ça. OK? Si et seulement si nous pas lit texte ça, nous pas une question. Eh bien, n'a fait ça pour toute question ça yo, mettez C, mettez I, mettez C, mettez I selon s'il correct ou bien s'il incorrect. OK, là deuxième partie là, c'est un choix multiple. Et donc on va choisir réponse qui bon. Par exemple, la question 1, il dit que c'est la manifestation artistique plus représentative du 20e siècle. Qui ça lié? Hein? Est-ce que c'est pop art? Est-ce que c'est ciné? Est-ce que c'est graffiti? Est-ce que c'est la télévision? Pop art, c'est des gros musique. Par exemple, les manifestations, gros musique, pop art. Est-ce que c'est cinéma? Est-ce que c'est graffiti? Par exemple, ça qu'on a écrit sur murio, les lancer des propos sur les murs. Est-ce que c'est la télévision? On fait ça dans question 2, question 3, question 4, question 5. Toute réponse, ma prédit encore, n'a besoin yo dans texte qui en l'air. Si nous parlons texte là, la difficile, la impossible pour nous capables répondre à des questions. OK? Question 3, partie 3, il va aller pour nous capables répondre avec question suivante ça. Il dit que pour nous capable faire un jugement critique, un bref jugement critique ou bien une opinion personnelle. Ça veut dire c'est pas réponse question ça pas dans texte en l'air, mais ça c'est une opinion personnelle sur le rôle joue les jeunes dans les mouvements sociaux et dans la société actuelle. Ça me quoi c'est et très facile parce que c'est opinion personnelle. Na bay wall genio yo jouer dans mouvement social yo et dans la société actuelle. C'est là même qui wall genio jouer. Eh bien, c'est là nous rester avec coute explication pour Guy ça qui c'est second niveau Guy 1 deuxième trimestre. Moi c'était nous toutes. Bon succès et bon travail.